arrêté. Ce dossier est susceptible d'être arrêté demain. À cause des maisons que Babo a donné à Soro là. À cause de ça, c'est ça que Dan Ouattara va utiliser comme alibi pour mettre en prison sur tout seul. Parce que en réalité, dans la transaction de la maison était, je crois la maison était appartenait à une entreprise, je pense, c'est une société qui vendait. Je maîtrise pas trop le dossier, ce dossier là. Bon, surtout sur le lui, il a fait une vidéo dessus. Mais après, je vais rechercher la vidéo et puis je vais venir vous expliquer en long et en large. Mais en réalité, Soutoussoul les documents de Soutoussoul ont été utilisés pour faciliter la transaction, pour que la maison soit au nom de Soro Guillaume. En fait, il y a une entreprise immobilière qui a été créée. Donc, c'est avec cette entreprise immobilière-là que la maison est venue au nom de Soro Guillaume. Donc, cette transaction-là, Soutoussoul, son nom figure dans cette transaction. Donc, comme Soro Guillaume est accusé de bien mal acquis, Soro Guillaume est accusé de blanchiment d'argent et tout, donc on veut mettre Soutoussoul dans ce dossier-là. Voilà les tensions de Dan Ouattara. Il faut mettre Soutoussoul dans ce dossier-là et puis essayer de le faire condamner. Vous avez compris? Parce que Dramane veut, il demande à Soro Guillaume de venir dans les rangs du RADP. Et de lui le soutenir pour 2025. Vous comprenez? Il veut qu'il le soutienne pour 2025. Bon, comme Soro Guillaume dit, il ne veut pas. Donc, Dan Ouattara utilise la carotte et le bâton. Il a essayé la carotte en renouant la communication avec Soro Guillaume. Et donc, comme il voit que ça va pas, donc maintenant, il va utiliser le bâton maintenant pour le frapper. Il va utiliser le bâton maintenant pour le frapper. Voilà la réalité, j'ai quand même l'Afrique. Voilà la triste réalité. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que Soutoussoul et Soro Guillaume refusent de rejoindre le RADP? Alors qu'on dit aujourd'hui, le RADP vient de faire une réunion, d'après eux, d'informations concernant la présidentielle de 2025. Et ils ont conclu que Ouattara est le candidat naturel. Ils disent que Ouattara est le candidat naturel. Donc, pour 2025, Ouattara est le candidat. C'est ce que le RDA a dit aujourd'hui. Ils sont réunis, ils ont fait à l'Ivoire. Nous, on est partis à l'Ivoire. Nous, on a fait notre convention. Et ils nous suivent en même temps. C'est-à-dire que tout ce que nous on fait, eux, ils le font. Voilà. Côte d'Ivoire, Ouattara candidat naturel à la présidentielle de 2027, selon le RADP. Vous avez compris ça? Donc, pendant ce temps, ils veulent le soutien de Soro Guillaume forcé. Ils veulent le soutien de Soro Guillaume forcé. Et Soro Guillaume dit, je ne te donne pas mon soutien. C'est pourquoi il a créé l'histoire de, comment dirais-je ça, de rébellion qui serait en train d'être créée au Burkina Faso pour venir contre lui en Côte d'Ivoire. Non, il y a des gens qu'ils sont en train de former au Burkina Faso, ils sont au nombre de 26 personnes, ils sont au nombre de 50 personnes, il y a une vague qui est partie, il y a une vague qui est revenue, donc ces personnes-là, ces 50 personnes-là qui vont venir faire rébellion contre la Côte d'Ivoire. Donc c'est Soro Guillaume qui est en train de préparer cette rébellion avec qui? Avec le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, il a pris ça, il a collé ça sur Soro Guillaume. Maintenant, comme sur tous ceux qui sont sur le terrain, qui est en train de faire le boulot de Soro Guillaume, qui est en train de remuer ses camarades pédafriques, c'est les militants du GPS, Ouattara, il est jaloux. Parce que les militants du GPS sont en grande partie issus du RDR. C'est ceux qui ont été laissés pour compte au RDR. Ceux qui sont découragés du RDR. Ceux qui n'en veulent plus du RDR. Comme le monsieur est en train de le critiquer ici. Chers camarades pédafricains, on met cette vidéo, vous allez comprendre. On met une vidéo ici, vous allez comprendre de quoi il s'agit. On met une vidéo. Il s'appelle Souleymane Touré. ST. Il faut éponger la population. Voilà, écoutez. Il faut aider la population. Et il le répète. Mais là, changement. Méchanceté va tuer dans notre dispositif. Voilà. Ils sont assis sur des gros sous. Voilà. Grosses opportunités. Ils ne sont pas prêts. Voilà. Ils sont sur leur piédestal. Voilà. Tu parles, on va dire non, tu veux dénoncer, tu veux affaiblir ton dispositif. Mais le président sait si nous, on est des gens qui peuvent affaiblir le dispositif. On se connaît en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Allez, à ceux qui se battent,
pour s'enrichir pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils sont là et ils continuent. Et puis il y en a qui prennent le peu qu'ils ont pour tout donner, pour faire le mariage du président. Mais il y en a qui ne font rien, c'est eux qui bénéficient des retombées de ce travail-là. Voilà. Et je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on parle. Mm-hmm. Parce que comme on ne parle pas, alors les gens se disent, et continue. Voilà. On connaît des gens, on ne peut pas tout dire. Si vous voulez vraiment être là, toute la population de Côte d'Ivoire a ressenti directement l'appui de ces personnalités. Hein? Et personne ne peut parler au président ou à RHDP. Tout le pays nous a été RHDP. Voilà. Donc, lui, il est fâché. Donc, ces militants comme ça, là, ils sont beaucoup. Donc, ils sont fâchés. Et donc, parmi ceux-là, il y a beaucoup qui ont vu sur le dos. Donc, Ouattara ne veut pas entendre parler de Sorghum. Il ne veut pas entendre parler de Sorghum. Lui, c'est que son obsession, c'est que Sorghum le rejoigne au RADP. Tant que Sorghum ne veut pas rentrer au RADP, lui, Draman, il ne veut pas. Il veut rien entendre parler de Sorghum. Même les militaires de Sorghum, il veut les mettre en prison. Même les militaires de Sorghum, il veut les mettre en prison. Comme la paix d'Afrique. Est-ce que ça, là, on fait ça à quelqu'un? Est-ce que ça là, on fait ça à quelqu'un de vous à moi? Hein? Donc, nous on le dit, et je le dis toujours. Nous on peut faire, les gars, on peut faire. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Elle ne peut donner autre chose. Elle ne peut donner que ce qu'elle a. Ah oui. On peut parler qu'elle peut donner autre chose. Elle a compris ce qu'elle dit. C'est comme la paix d'Afrique. Nous là, on ne peut que apporter ce soutien au GPS et à Sorghum. Mais je l'ai dit, toujours, ne vous lancez pas. Et tiens, ne vous lancez pas. N'ayez pas confiance à Draman. N'ayez aucunement confiance à ce monsieur. Si tu mets confiance en Draman, c'est que toi-même, ou bien tu es bête, ou bien tu es fou. Ouais. Non, c'est que c'est un monsieur bipolaire, même étonné. Bipolaire étonné. C'est-à-dire que, non, mais Draman, c'est un démon. Quand on vous dit ça, il faut croire. C'est un démon. Donc, il ne faut pas faire confiance à ce monsieur. Il ne va jamais, au grand jamais, accepter que Sorghum participe à l'élection présidentielle pendant que lui, il est là. Pendant que lui, il est candidat. Jamais il va l'accepter. Jamais il l'acceptera. Il préfère même accepter que Bleu Goudé soit candidat. Il préfère accepter que Afine Gessan soit candidat, que Trabé soit candidat, que Manan Simon Boro soit candidate, que tout cela soit candidat sauf Sorghum. Parce que c'est que lui et puis Sorghum, ils vont se partager les militants. Il ne veut pas ça. Donc quand il est comme ça, il n'y a qu'une seule chose qui reste. C'est la lutte. C'est la lutte. Vous comprenez ça? C'est la lutte qui peut gérer. Et il faut qu'on lutte. Il faut lutter. Même si la France de Macron cherche à nous faire peur. Mais elle s'est fait peur elle-même. Parce qu'on ne peut pas effrayer une femme enceinte avec une banane douce. On ne peut pas effrayer une femme enceinte avec une banane douce. C'est qui a mis grossier dans. C'est qui a gonflé son ventre, tata, tu sais pas. Frère, on ne peut pas prendre couteau pour aller frère Kabri mort. Il est déjà mort. Nous, on est là, on est déjà mort. Nous, on n'a pas peur. Donc, elle se fait peur elle-même. La France de Macron se fait peur elle-même. Alors, nous, on lutte. Et on doit lutter. Parce que, on ne peut que avoir notre bonheur à l'issue de la lutte. Les réseaux, les arrangements, les compromissions, tout ça là, c'est fini. On ne peut plus rien faire ça. La seule chose qui nous reste, c'est de lutter. Lutter jusqu'à la mort. Ça là, c'est ça qui est la vérité. Il faut lutter jusqu'à la mort. S'il le faut, si on doit mourir, on mourit. On meurt ou on a la victoire. Ça, il faut que ça soit clair dans la tête de tout. Ben les gens ont peur. Ils ont peur. Les intérêts personnels, les intérêts partisans, les gna gna gna.
Chacun réfléchit. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que mes enfants vont faire? Qu'est-ce que ceci va faire? Qu'est-ce que cela va faire? Hier, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a un village, tout le monde est mort. Enfant au papa, tout le monde est mort. Il y a eu éboulement de terre, glissement de terre comme ça. Tout le village, tout le monde est mort. Ouais, ouais. Tu as dit quoi dans ça? On est tous des cadavres en suicide. Tous des cadavres. Quand on vous dit, quand les gens mettent la peur dans vos têtes, ils sont méchants. Hein? Tu as de faire tuyau. Hein? Mais tu as de faire tuyau. Depuis combien de temps on dit à Baron Kone, tu as de faire tuyau et puis il ne meurt pas. Et puis les gens qui disent non, tu as de faire tuyau, ils meurent. Voilà le président iranien, le tout-puissant, par son âme, Ibrahim Raisi. Le tout-puissant Ibrahim Raisi. Il a tout l'arsenal militaire. Météo, le temps est mélangé. Bon, le puissant, tout puissant, ministre des Affaires étrangères. Quand ils sont morts. Et toi, tu es là, tu as peur de la mort. Tu n'as pas peur de la mort. Tu es paresseux. Et puis d'ailleurs, même, c'est pas encore chaud sur toi. Si c'est bien chaud sur toi, tu vas te lever. Voici les Guinées. Voici les Kanaks. Nouvelle-Calédonie. Macron est parti là-bas. Macron a plus d'avis les patins. Pendant que Macron est là, ils ont allumé le feu. Pendant que Macron est là, ils ont allumé le feu sur lui. Il lui met la fuite. Il s'est taillé. Et là, il écoute, il entend, il veut l'indépendance. Il y a des morts. Il y a des morts. Mais il continue le combat. Il continue le combat. C'est ça qu'on appelle des êtres humains. C'est à ça que je vous engage. Ils ont leur lance-pierre. Ils ont leur cocktail. Ils ont tous les mouvements. C'est la lutte qui libère. Et si on pense que c'est dans les petits... Ouattara, c'est un maudit. Il est assis sur nous. On ne mange pas. On ne peut pas s'épanouir. On ne peut pas parler. Facture est chère. Il casse nos maisons. Il nous rend la vie de plus en plus infernale. Et on est là, on regarde. Et on a peur. Je ne veux pas parler de... Mais tu n'as pas faim. Quand tu auras faim, tu as parlé. Nous là. Est-ce qu'on ne vit pas? C'est vrai que le militantisme, il y a certaines personnes, leur militantisme est plus que d'autres personnes. Ça, c'est naturel. Tout le monde peut être leader. Mais le minimum de leadership doit être en toi. Et il est en toi. C'est à toi de le réveiller. Moi, pendant tout mon tissu scolaire, pendant que je partais à l'école, là, je m'arrêtais et puis, quand on faisait la fête et tout, le secrétaire général parlait. S'il était trop, c'est le secrétaire de l'organisation. Je ne savais pas que j'avais ce talent d'orateur. Je ne savais pas que j'avais ça en moi. Je ne savais pas. Mais un jour, c'est révélé en moi comme ça. Et je ne suis pas dedans. Le leadership est en vous. Chacun est son leader quelque part. Réveillez ça en vous. Et puis, ayez le courage de dire non. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas aller voir les marabouts. Aller voir les féticheurs. Aller voir les imams. Aller voir les pasteurs. Eux-mêmes, ils cherchent pour vous. La seule personne qui donne travail aux gens, c'est le président. C'est pas Dieu. Au nom de Dieu que j'ai, Dieu ne te donne pas de travail, frère. C'est moi, mon connaît, qui vous dis ça. Dieu ne te donne pas de travail. Non, Dieu m'a fait. L'année de mon année arrive. Ah oui, ça n'a pas arrivé. Non, ça n'arrive pas. Parce qu'il n'y a pas de travail. Le gars, là, il ne crée pas de travail dans le pays, là. À partir du moment où il ne crée pas de travail, il ne peut pas avoir de travail. Et toi, tu as gagné quel travail? S'il n'y en a pas. Tu as gagné quelque chose qui n'existe pas. Tu as dit comment? Tu es Dieu ou bien quoi? Ici, là, c'est parce qu'en France, il y a beaucoup de boulot.
boulot est versé. Les agents de sécurité là même, ça manque même. Ça manque. Vous savez, beaucoup de fois, mon gars là m'appelle. Il dit non, non, moi j'ai arrêté ça. Ça manque même. Il y a boulot, c'est wow. Parce que les gens créent boulot. Parce que les gens créent boulot. Mais si on ne crée pas boulot, il ne peut pas avoir boulot. Chat là, soit salut de ta position. Si on ne crée pas boulot, il ne peut pas avoir boulot. Mais c'est notre boulot là que les gens vont ramasser devant nous pour venir saisir. Cacao là, c'est ça qui crée boulot. EVA, ça qui crée boulot. Anacad, ça qui crée boulot. La matière première. La matière première là. Il y a l'or, il y a le pétrole, il y a tout. On n'utilise pas ça, on donne tout ça aux gens. Drama de place, ça, il donne aux gens. Il prend ça, il donne aux gens. Il se promet dans sa vieille gueule là. Et on est là, on regarde. Et malgré ça, il veut s'imposer aux Ivoiriens. Et malgré ça, il veut plus que les gens parlent. Et malgré ça, il est en train de tout mélanger. Frère, il faut se lever. Hein. Moi, je vous dis, hein, il faut se lever. Peut-être d'ici juin ou juillet, d'ici fin juin ou juillet, on est en train de réfléchir à le camarade représentant. D'ici fin juin ou juillet, on va organiser une autre grande marche ici à Paris. Une autre grande marche ici à Paris. On va organiser une autre grande marche ici à Paris. C'est ça qui est la vérité. On va plus s'arrêter. No stop. No stop encore. On va plus s'arrêter. Le combat va continuer qu'à la gare. On sera dedans. On sera dedans. Voilà. Donc, allez dire à Macron de se calmer. Là, là. Ici. Là, là. Parti. Oh, il s'est fait réclamation. Mon jeton est moins décalé. Ils vont me donner mon jeton monnaie. Allons, ça n'a rien à faire. Ce qu'ils veulent faire, ils n'ont qu'à faire. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu dans ce monde? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu dans ce monde? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, frère. Hey, le summum de ce que tu peux faire à ton ennemi, c'est la mort. C'est lui donner la mort. Le summum de ce que tu peux faire à ton ennemi, c'est lui donner la mort. Qui ne meurt pas? Qui va mourir? Tout le monde va mourir. S'il doit mourir, tu dis, il meurt. Mais moi, avant de mourir, ce qu'il doit faire, il a fait ça. Et ce qu'il doit faire, c'est de travailler à ce que les Africains soient des hommes. Soient considérés comme des hommes à part entière. Qu'ils soient capables de disposer d'eux-mêmes. Qu'ils soient en mesure de décider de leur politique intérieure, extérieure, monétaire, économique, sociale et à tous les niveaux. Qu'un petit vilain est son nez André Ergo de coq. Que le Seigneur a été appelé pour tuer ce mon quand il... Quand vous voyez le nez de Macron, là, ça ne ressemble pas à Ergo de coq. Ça ressemble à Ergo de coq. Un petit wawaro comme ça vient décider de ce que l'on doit faire dans notre pays. Jamais. Ça là, si on doit mourir, on va mourir. Mais ça là, on va lutter contre ça jusqu'à ce que on gagne. Et on va gagner. On va gagner. Vous comprenez ce qu'on va faire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mobilisez-vous comme un seul homme. Mobilisez-vous, tenez-vous prêts. Soyez à l'écoute, on va vous appeler incessamment. Mobilisez-vous, soyez prêts. On va vous appeler incessamment à prendre les rues encore. Je vais vous appeler tout à l'heure. Donc, je reviens. Notre direct quotidien, on va le faire peut-être vers 22h, 23h par là. Je reviens pour les autres informations au niveau international. Ça là, je voulais faire un direct à part pour expliquer aux gens ce qui se passe. Donc, l'heure de la prière. On va aller faire la prière. Et puis, on va venir répondre à cet ami pour parler. Donc, chers camarades d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples panafricains, Babo, président de Côte d'Ivoire 2025. On est ensemble, les gars, merci.